So Michel mentioned that the war was not really evoked in the books, in Moore's books he presented, and I wanted to ask the three speakers to comment on this aspect, and in particular to understand up to what point in the 1920s the war. The former war, so the First World War, played a role in order to emphasize the question of risk, of measurement of risk. Up to what point this interfered with the works of the people you presented. On peut peut-être partir de toi, justement, Pierre-Charles, pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Oui, mais j'ai vraiment pas les idées claires sur ce sujet. Mais tu peux les décrire comme une idée. Ce sera encore meilleur. Alors, j'ai le sentiment. First, I have no idea of how war may have influenced the conception of economics in Germany, for instance. But what seems to me clear is that during war, the state has exerted control over economics, over the whole economy. And for this reason, the First World War helped not socialists, but at least statists to develop their own conceptions. Which were relayed by fascists in Italy and by planists, the so-called planists then in France during the 1930s. And for this reason, when the crisis broke up, there was a strong current, not among the theoretical economists, or not among the academic economists, especially in France, which were law professors, as I told you, but among engineers to support more state intervention into the economy. But the theoretical ground for this was thin, in my opinion. It was more a matter of, just having seen that having the state in charge of economics works better than expecting things to regulate by themselves. But it's all I can see, and so it did not lead to theoretical development, but more to a shift from a liberal, anti-statist to a more statist stance among economists. I agree with your point of view. For example, certainly Kondratiev did not think at all at random problems related to random. He saw that there are links between the economic situation and the appearance of crisis and wars during the period he analyzed, 18th, 19th century. But I think it was not the idea in his political ideas, economic policy, because he was sometime a minister at the government of economics, and he in this period did not thought at all, for example, to modify the situation of economic of economy of Russia, which was agricultural, principally economics. Then he did not thought that the interventions, the problem of war, which was if it will random situation, le hasard de l'histoire, il ne voyait pas que ça pouvait changer quoi.
la politique économique. Lui, il ne prévoyait pas, quoi. Difficile question. Je pense simplement à une façon de répondre aussi qui est, il faut regarder de plus près ce que vraiment ils ont fait pendant la guerre et juste après. Et là, il est intéressant de remarquer que, à la différence de la guerre suivante, la Deuxième Guerre mondiale, ils sont très très peu impliqués dans la régulation de l'économie de guerre. Et pourtant, il y a une économie de guerre. Mais on n'a pas beaucoup de traces de leurs travaux. Alors, moi, j'ai plutôt envie de relire le travail de Keynes sur les négociations après-guerre du traité, parce que la question principale qui émerge, c'est les questions financières. Ça, oui, elles explosent dans les années 20, et les questions financières, à cause de la guerre, de ses effets. Je pensais aux questions d'organisation de la production, parce que Borel a été secrétaire général du ministère de l'organisation de l'industrie ou quelque chose comme ça. Et mais peut-être qu'une façon de le dire, c'est simplement que on peut considérer que les ingénieurs se sont dit que la science avait quelque chose à voir dans l'organisation de l'économie de guerre, et donc que c'était ça qui fondait le rôle de l'État. Voilà, c'est ça que je devrais dire. Et donc, mais c'est une histoire qui est en fait liée avec celle qu'on vient de dire, c'est-à-dire que comme en plus il y a eu un développement de la théorie et des méthodes statistiques. C'est-à-dire qu'il y a probablement, chez les ingénieurs, la conscience du fait que, finalement, ils ont à dire quelque chose sur l'organisation économique du pays, parce qu'ils ont les moyens d'appliquer la méthode scientifique. Pas seulement dans la production micro, pas seulement dans l'organisation taylorienne de la production, mais aussi dans l'organisation macro de la production. Voilà. Mais c'est quelque chose de très diffus, parce qu'il n'y a pas de théorisation de ça. Il y a plus une pratique qu'il est très difficile de mesurer. Bon, mais quand j'ai parlé du planisme, ce sont des choses qui sont assez, assez bizarres et controversées, parce qu'on ne peut pas dire que Gene Schuller, par exemple, qui est un des dirigeants de la cagoule, de fait, il me semble que le Gene Schuller, il était intéressé c'était un ingénieur, il devait être centralien, je crois, et il était intéressé à ce que l'État intervienne plus dans l'économie. Mais ça, c'est complètement infra-théorique. Peut-être ma question suivante, an own personal from the chrono perspective that I should have asked before your risk-oriented question. What could you say about if not the definition or the conception of chance, of randomness in Kondratiev? You were minimizing it, but in your exposé, I thought it was quite important. What about you, Michel, with more, and what about those guys in your exposé, Pierre Charles? If it's too tricky, I can start to give my own interpretation. But you know, if you go back to Venus, for instance. Moi, j'avais envie de réagir justement sur ton exposé, sur ce point-là. Il y a un épisode qu'on ne connaît pas très bien, qui est celui de la fabrication des indices des prix, par exemple. Je l'ai sauté dans mon exposé, mais j'avais une diapo qui explique la grosse difficulté à fabriquer un indice des prix et à le justifier théoriquement, parce qu'il ne faut pas simplement fabriquer une sorte de moyenne des prix de tous les biens, c'est ce qu'il faut faire. Mais alors c'est là qu'il y a une théorie tout d'un coup probabiliste qui émerge et qui est discutée chez les économistes et qui est intéressante, parce que c'est la même que celle qui a émergé dans la théorie des erreurs entre Gauss et Laplace, qui est la suivante, c'est que si j'additionne plusieurs variables qui suivent une même loi, ça suit une loi normale, l'addition, le résultat de l'addition suit une loi normale. Et deuxième facteur intéressant, ceci permet de repérer une moyenne, c'est la théorie de Quetelet, et que cette moyenne est bien le lieu de la vraie valeur qu'on a mesurée. Et ceci permet donc de faire un tri entre les causes constantes et les causes variables. C'est le vocabulaire, ça, du début 19e. Or, il y a une théorie de l'indice des prix qui est très intéressante, qui consiste à dire les prix de toutes les matières diverses qu'on consomme sont extrêmement variables et ils vont changer de manière extrêmement variable aussi. Et comme ils vont changer de manière variable, quand on en fait une moyenne, on va retenir ce qui est commun. L'idée de retenir ce qui est commun, ben qu'est-ce que ça peut être qui est commun aux différents indices des prix ? C'est la valeur de la monnaie. Donc l'idée d'avoir un indice monétaire
qui est le résultat d'une opération probabiliste de moyenne, est une idée qui est tout à fait discutée par Edgeworth et par Keynes, dont on oublie qu'en 1909, il s'est isolé dans un hôtel à côté du lac de Genève, ou je ne sais plus où, pour écrire un pamphlet sur cette méthode. Qu'on a fait le hasard. Je veux dire, il distinguait le hasard des situations dans trois cas de figure. C'est la découverte scientifique qui est perturbée, l'apparition d'un personnage historique qui changeait le courant de l'histoire économique. Par exemple, la première révolution de février 1917, c'était une révolution bourgeoise qui ne présageait rien du tout. C'était les deux élites de même gabarit d'importance qui s'affrontaient et qui donnaient lieu à cette révolution de février. Et puis il y avait l'arrivée des bolcheviques qui étaient depuis des années, des décennies à l'ouest, qui ne connaissaient même, je veux dire, ils connaissaient évidemment les situations en Russie, mais pas comme Kondratiev, pas comme les autres économistes, Tugan Baranovski, qui étudiaient l'économie russe. Eux, ils arrivaient avec les idées occidentaux de Marx, de tout ce que vous voulez, des marxistes, et qui font la révolution d'octobre. C'est le hasard. C'est la personne qui emporte, à la limite, je veux dire, qui introduit dans la situation économique le hasard qui change tout. Parce qu'il y a la planification, la nouvelle économie politique, le passage de l'économie de guerre à la NEP, au marché, et puis de nouveau à la planification où il n'y a plus de rôle de monnaie, plus de rôle de prix, rien du tout. Il n'y a pas d'indicateur du marché pendant 50 ans. What is striking for me is that in the situation which Michel described, which is schizophrenia, on the one hand you are thinking about abstract theory, and on the other hand you are thinking about statistics, but you don't try to match abstract theory with facts, with data. Hence, in this kind of organization, there is no place for randomness, because in fact there is no place. You have perfect theories, although they don't serve anything on the one hand, and then you have statistics and they work well since you don't have to fit any data to anything. But once you try to test, for instance, your theories, then you're faced with differences between what the theory says and what you do measure. And the interesting thing is the way those guys as Hodling and Koopmans, etc., thought about randomness. They thought, basically, that external causes are not strong enough because of the interplay of many causes, which among which one cannot find a major or a larger cause. For this reason, they saw a random structure everywhere, and for them this was good. This was a good sign, because they thought they had the tool to deal with randomness. So the funny thing is that maybe for the first time, not just that randomness randomness appeared in economics or in economic modeling, but this was perceived by the economist not as a sign of ignorance, but as a sign of hope, because they thought they had the tools to deal with randomness. So I think it's quite interesting, because usually people think that randomness means that we cannot say anything, while those guys, they thought randomness was the sign of possible explanation. Martin, on est là.
It seems that there is an interplay between, I would say, three learned communities that you're talking about, sort of mathematicians, statisticians who are maybe not mathematicians, and economists. Could you sort of comment on the way it seems to have worked differently in different countries? Le deuxième n'a pas l'air de marcher. Si, il marche. Ben, il ne marchait pas tout à l'heure. Je vous le rends. Remarche-t-il? Ben, moi, je pense qu'il faut relier cette question-là à la précédente. C'est-à-dire qu'on est dans une époque, vraiment celle des années 1910-1920, où il y a un gros développement de la statistique sans probabilité. Donc avec des mathématiques, mais qui sont celles de la formation moyenne d'un mathématicien ayant une licence, ou mieux, polytechnicien, mais qui ne va pas très loin. Les mathématiques qui sont sous-jacentes à ce que j'ai montré ne sont pas extrêmement puissantes. Donc je relierai ta question à celle-là, c'est-à-dire de dire que la communauté des mathématiciens, elle ne perce pas de manière importante à cette époque-là comme intermédiaire nécessaire entre les deux parties, c'est-à-dire les économistes théoriciens. Alors, pourquoi ? Parce que déjà, il y a eu peu de travail à la suite de Walras sur le problème mathématique lui-même de son système de n équations à n inconnues. Et parce que, d'autre part, pour moi, il n'y a pas de modèle commun entre les deux colonnes que j'ai désignées. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un modèle commun, et ça, c'est les économètres qui vont le trouver, entre le modèle théorique des économistes, avec une notion qui est assez compliquée d'ailleurs, c'est-à-dire de quelles sont les vraies causes qui fonctionnent dans ce modèle. Et puis, d'autre part, le modèle of data, le modèle des données. Alors, le modèle des données, ça veut dire par quel dispositif probabiliste a-t-il produit ces données-là. Et là, si on a ça, on commence à avoir des mathématiciens qui viennent faire des probabilités et qui sont à cheval sur les deux domaines. Mais avant, on n'a pas beaucoup. Et ça, Michel, c'est pas ce qu'on a dans les années 40 aux États-Unis, par exemple au Statistical Research Group à Columbia, alors qu'on peut pas l'avoir en Europe parce que les meilleurs sont partis, enfin en tout cas ceux que ça intéressait sont partis, non pas parce que les Américains ont voulu les faire venir, mais parce qu'ils avaient pas d'autre ressort que de partir. C'est-à-dire que s'ils partaient pas de leur plein gré vers l'Ouest, ils partaient en wagon plombé vers l'Est. Enfin, c'est en gros c'est ça l'alternative. I think that in Russia the planification, the planning was constructed on scientific base, mathematician. It was based on mathematician ideas of equilibrium, the table input output, conduct to models, mathematician models of macroeconomic development, and the Slutsky statistics of series data, to analyze data series by statistical methods, what was used in Gosplan to create the prognostic to prevision, which was utilized perfectly for planning, for 5-year planning, for 20-year planning. It was analyzed the data, the past data, and the probable future development with the same mathematical models, regularity. That's why in the Soviet Union we have not the crisis of 29, 28, 29. It was other path of development at this period. There was where it was specific, and it was scientifically based. Program of development of economics in Russia, I consider. D'autres commentaires ou questions?
Glenn Schaefer. I guess a comment. Michelle's comment that the war didn't seem to affect the work of H.L. Moore and some of the other Americans. I think, to a large extent, that's just reflected that the war did not have the impact on the United States that it did on the European countries. Alors, on remercie chaleureusement les intervenants, les organisateurs et tous les participants.